Le groupe VDA revient sur la polémique créée autour de leur dernier single. En effet, depuis la sortie de leur dernier single intitulé « Ils seront logés », certains Ivoiriens n'ont pas apprécié compte tenu du contexte régnant entre la Côte d'Ivoire et les Camerounais. Par contre, d'autres l'ont carrément adopté en guise de réponse contre les Camerounais. Pour mettre donc fin à toute cette polémique créée autour de leur dernier single, le groupe VDA s'est prononcé en ces termes. Cela fait quelques années aujourd'hui que vous êtes bercés par nos sonorités. Nous sommes rentrés à la musique avec des valeurs, avec des thèmes à aborder, avec des idées, avec une vocation, avec aussi un engagement. Alors vous comprenez que avant d'être artistes, nous sommes d'abord Ivoiriens et fiers de l'être. Donc nous avons en nous du patriotisme. Être patriote pour nous, c'est savoir sortir au bon moment pour rétablir les choses, pour apaiser les cœurs des populations face à une circonstance ou une situation donnée. Vu cela, nous pensons que nous l'avons fait de la plus belle des manières, c'est-à-dire en chantant. C'est pour cela que cette chanson est devenue aujourd'hui un sursaut national. On l'a fait de manière subtile, sans injurier, sans attaquer qui que ce soit, sans attiser une guerre. Cette chanson a été chantée avec beaucoup d'intelligence, n'en déplaise à ceux qui veulent véritablement polémiquer ou cherchent une visibilité avec notre nom. À ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les emblèmes d'un pays, le drapeau, l'hymne national en font partie. Quand on est dans un pays et qu'on porte l'identité et le nom de ce pays, on est déjà patriote, quel que soit ton statut. Donc quand on parle de ces symboles, on ne rentre plus dans les considérations, dans des commentaires bidons de moralisateurs, d'éducateurs. On l'a vu quelque part où notre équipe nationale de football qui défendait les couleurs du pays pour apporter de la joie aux Ivoiriens a été huée. Pour vous, la Côte d'Ivoire doit tout accepter, c'est impossible. C'est comme cela que nous, en tant qu'artistes, nous avons choisi véritablement la manière sans offenser quelqu'un pour apaiser les cœurs des Ivoiriens. A expliqué longuement le groupe VDA à l'endroit de tous les Ivoiriens et de leurs détracteurs.